l'été passé que j'ai ça, puis pas eu d'incident jusqu'à date, mais je voudrais pas qu'aujourd'hui soit la première journée. Fait que, donc, quand je vais décoller et atterrir, je demanderai aux gens de ne pas être à moins de 100 pieds de ça. Ça, c'est une chose. L'autre chose de pratiquer, c'est si moi je perds le contrôle, ça veut, elle va être partie dans une direction, elle s'en va en ligne droite jusqu'à ce qu'elle attrape un mur ou un arbre ou une personne, puis elle va arrêter. Mais je préfère autant que ça soit pas la troisième des options, tu sais. Mais comme je dis, ça n'a jamais arrivé, mais au cas où ça arrive, si je perds le contrôle, je vais crier trois fois « Fly away, fly away, fly away ». Si vous entendez ça, je vous demanderai de vous accroupir puis regarder l'œil ouvert. Si vous la voyez venir par vous, vous avez tout la belle équipement pour vous protéger, vous avez vos bâtons, hein. Ben moi, je prendrais, surtout les jeunes, mettez votre bâton sur peut-être votre tête horizontalement, là. Si vous voyez que ça vient par vous, j'ai crié « Fly away ». Si ça vient pas par vous, puis elle s'en va par là-bas, ben, regardez-la passer, puis vous êtes la personne qui est là. Ça va la combien de haut, ça, cette affaire-là? Moi, aujourd'hui, je vais filmer n'importe où en 10 pieds de haut jusqu'à à peu près une centaine de pieds de hauteur. Ah, 10 pieds. Mais à 10 pieds, c'est sûr que même là, quand, si elle s'en va, elle peut partir à un angle, elle peut perdre de l'altitude. C'est ce bout-là qui pourrait représenter un risque. Comme je dis, ça n'a jamais arrivé, mais je ne voudrais pas que ça arrive aujourd'hui. Donc, prévention, c'est mieux que la collection. Fait que si vous m'entendez crier « Fly away, fly away, fly away », qu'est-ce que vous faites? On prend le mandat et tout à couper.